Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Coconut Box, la chaîne de tous les unboxings. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing d'un petit calendrier de l'Avent 2022. Il s'agit du calendrier de l'Avent Marionnaude, ou plutôt de l'après Marionnaude, puisqu'il s'agit d'un calendrier de 7 cases. Donc voilà, mais écoutez, moi je vous laisse avec ma petite intro et puis je vous dis à tout de suite. Donc, ce petit calendrier fait suite à la vidéo que je vous ai tournée juste avant, où j'ai unboxé le calendrier de l'Avent Marionnaude de la marque Marionnaude à 35,99 €. Et donc, j'ai trouvé cette petite merveille. Donc, c'est un petit calendrier de 7 cases, puisque en fait, il va du 25 décembre, si je ne dis pas de bêtises, au 31. Donc voilà. Donc du coup, voilà, moi je vous propose qu'on puisse l'unboxer ensemble. Il est sur le site de Marionnaude à 18,99 € et du coup disponible sur le site ou en magasin. Alors sur les points Marionnaude, il n'y a pas de code promo possible hein, parce qu'il me semble que c'est des points rouges. Donc voilà, du coup, je l'ai commandé directement sur le site, mais je l'ai vu aussi en magasin. Donc vous pouvez l'avoir en magasin directement. Voilà, trêve de blabla, ben je vous propose de l'unboxer. Alors, on y va tout de suite. Donc, on commence par la case numéro 25. Sachez que c'est la première fois que j'unboxe un calendrier de si peu de cases. Donc voilà, un calendrier de l'après, j'ai jamais fait ça. Parce que je me dis toujours, ça vaut pas le coup, il n'y a pas de cases, enfin voilà. Mais bon, là, franchement, 18,99 €. Bon, j'ai voulu vraiment ne pas regarder. Je crois pas avoir vu de vidéo sur YouTube là-dessus, mais je ne voulais pas me spoiler. Alors, on va commencer par la case numéro 25. Donc, juste ici. Alors, dans la case numéro 25, j'espère que j'aurai pas de doublon avec l'autre. Donc, il s'agit d'un gloss. Alors, ça me fait peur parce qu'on dirait le même que tout à l'heure. Maintenant, il a l'air plus pailleté. Il fait 3,2 millilitres. Et c'est, alors, il y a marqué quoi? N'importe quoi, Valérie. C'est pas du tout un gloss, en fait. C'est un fard à paupières liquide étincelant. J'ai eu peur parce que dans l'autre, si vous avez vu ma vidéo, bah, ça ressemble beaucoup, en fait. Hein. Donc, il est comme ceci. Oh, joli. Très joli. Alors, ça se présente comme... Oh là là là, regardez ça. On est vraiment dans le thème, là. Là, on se prépare pour le réveillon, nouvelle année, c'est sûr. Ah, il est très très liquide. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus compact, mais voilà, à voir ce que ça donne sur la paupière. Je me demande si au final ça se met pas au-dessus d'un fard à paupières parce que je le trouve un peu transparent en fait, voyez? Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas très jolie et très contente. Il n'y a pas vraiment de teinte, hein. Je pense qu'à chaque fois ça a été fait exprès pour ce calendrier. On continue avec la case numéro 26 qui se trouve juste ici. Alors, case numéro 26. Donc, comme je disais dans l'autre, on a des petites encoches qui permettent d'accéder aux produits. Donc, ça, c'est cool. Alors, donc là, on a une petite palette comme ceci. Ça ressemble à celui que j'ai eu. Alors, c'est mon duo blush, pardon, parfait. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est souvent comme ça, en fait, quand on achète des calendriers, genre avant, après ou plusieurs, on a souvent le risque, en fait, d'avoir un doublon. Donc là, c'est vraiment un doublon. Donc, mince, je ne l'ai plus. J'ai effacé le swatch. Franchement, je suis une vilaine aujourd'hui. Hein. Je dis n'importe quoi. Parce qu'en fait, ça, c'est celui que j'ai là à vous unboxer. Et en fait, c'est celui-là qu'on a reçu dans l'autre. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est effectivement deux palettes de duo blush. Mais je vous rassure, on n'a pas de doublon. Donc là, c'est celui-ci. Bah, je sais pas, il n'y a pas la teinte. Donc, en même temps, c'est pas facile de se repérer. Donc ça, c'est celui que j'ai reçu dans l'autre calendrier de le Marionnaude. Et celui-ci, donc, on va ouvrir. Du coup, je suis trop contente parce que j'ai eu peur, en fait. Je me suis dit, ça y est, doublon. Donc, en fait, on part plus sur des tons dorés, tout ça, que là, on était plus sur du rose et du orangé. Donc, toujours ce même principe d'avoir deux teintes dans le blush. Donc, on a celle-ci ici. Et
on a une couleur un peu plus pailletée juste là. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si ça se voit vraiment. Hop, ouais, voilà, j'en ai mis un petit peu plus. Voilà, donc voilà, vous avez la version qui est là et cette version en fait qui est plus pailletée. Donc voilà, très très joli, vraiment joli. Donc on a une version pailletée, une version un peu plus, on va dire, mate. Très contente, donc rien à voir avec celui-là. Ensuite, on continue. Case numéro, je vais en mettre en place. Hop, numéro 27, juste ici. Hop, en longueur. Oh, un joli petit pinceau, comme ceci. Donc, on dirait un pinceau blush. C'est pas noté, mais voilà, il est comme ça. Très joli, très très mignon. J'aime beaucoup. Ok, d'accord. Très contente. Ensuite, on continue avec la case numéro 28, qui est juste là. Alors, 28, on a un grand crayon comme ceci. Alors, il s'agit mon crayon yeux crémeux, mon crayon yeux crémeux irisé. D'accord. Waouh, regardez comment ça se présente. Alors, c'est un. Non, c'est pas un rétractable. Bah, il est bizarre. Si, non, je sais pas. Il y a un truc au bout, mais pourtant, c'est pas de la mine. Alors, je sais pas trop. Hein. Donc, hop, comme ceci. Waouh, très joli. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce ton, vous savez, doré pour nouvelle année. Donc, ils ont fait le thème, je pense, hein, de se dire restons dans le doré. C'est vraiment, vraiment très, très joli. Alors, ok, très, très contente aussi. Ensuite, on continue avec la case numéro 29, qui est juste ici. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un petit bracelet. Oh, c'est un petit bijou. Regardez, comme ceci. Hop là, très mimi. Donc en fait, je pense que c'est un bracelet, hein, si je dis pas de bêtises. Je vais faire rentrer mon poignet là-dedans. Alors, je pense qu'il doit être réglable. Je sais pas, j'ai pas tout compris. Ouais, je pense qu'il doit être réglable. Enfin bref, du coup, ça donne ça. Petit bracelet comme ça. On est un petit peu dans le thème doré, rouge. Très joli. Vraiment contente. Faut juste que je trouve comment le. Je pense que ça doit se régler, non? Je sais pas. Bref, en tout cas, très très joli. Très contente. C'est Mimi. Bon, ça fait deux petits accessoires sur un calendrier de 7 cases. Alors. Ensuite, on continue avec la case numéro 30 déjà. Elle est juste là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il s'agit d'un. Alors, mon ravissant rouge à lèvres satiné. Waouh! Très joli. Packaging noir, sobre. D'accord. Wow. Très beau. Magnifique. Ça fait une couleur un peu. Alors, je sais pas si ça va sur le corail. On va swatcher ça. Oh, regardez. Magnifique. C'est très, très, très joli. On dirait un. Je sais pas, un framboise un peu. C'est un mélange entre un framboise. Très joli. Ah, il est satiné. Ouais. Très, très beau. Vraiment, très contente. Ensuite, bah, écoutez, on finit déjà. Cette vidéo n'aura pas duré très longtemps. Numéro 31, juste là. Donc, case numéro 31. D'accord. Et il s'agit d'un chouchou, tout beau, tout mignon. Bon. Ok, bah écoutez, on va faire un petit bilan de ce petit calendrier. Alors, petit calendrier qui m'a coûté 18,99 €. Point rouge, donc pas de promo possible. Sincèrement, bof. Je suis mitigée parce que je m'attendais, vous voyez, là, quand j'ai vu ça. La case 30, je me suis dit, ça doit être un mascara, ça aurait été trop bien. Parce que quelqu'un qui a pris le calendrier d'avant et celui-là, sans spoiler, hein, vous voyez ma vidéo, voilà, on serait content d'avoir un mascara. Mais non, c'est un rouge à lèvres, ok? Le crayon doré, ça, je suis super contente. Ça, c'est vrai que c'est très, très joli et ça fait fête. Le fard à paupières, hâte de voir ce que ça va donner, hein, il est vraiment très, très joli. Ensuite, le petit pinceau, bon,
On aurait pu s'en passer, hein, du pinceau. Le petit bijou, pourquoi pas. Enfin, bon, il y a mieux, quoi, mais voilà. Et après, le blush, je suis contente parce que j'ai eu peur vraiment que ce soit la même couleur que celui d'avant. Donc, pourquoi pas. Après, franchement, le chouchou en case 31, enfin, je sais pas quoi. Enfin, là, ça fait plus Noël, quoi. À la limite, ça, il fallait le mettre dans l'autre calendrier. Bof, quoi. Je suis... Bon, après, voilà, 18,99€. Bon, vous me direz, c'est presque 20€ quand même, hein. Sachant que l'autre, il coûte 35,99€. Bon, je sais pas. Je suis mitigée, mais je suis quand même très contente de ces deux produits-là, coup de cœur. Et puis aussi de la palette blush, puisque, comme je vous ai dit, c'est une autre couleur. Le rouge à lèvres est très joli aussi, donc je serais contente. On va dire que c'est plus sur les accessoires, quoi. Le chouchou, pour moi, non. Le sol, bof. Bon, après, les pinceaux, on en a toujours besoin. En plus, il est tout petit. Ouais. Bon, mitigé, quoi. Si je me dis, ça va encore pour le prix, on va dire ça comme ça. On prolonge un peu l'esprit de Noël et tout. Et puis, bon, on a quand même de quoi se faire un beau make-up de fête. Il manque juste, encore une fois, un mascara, quoi. Pour moi, à la place de ça, vu qu'on a eu plein de rouges à lèvres. Ou alors, à la limite, oui, parce que quelqu'un qui prend pas, admettons, l'autre calendrier... Et qui se contente de ce petit calendrier. Effectivement, c'est bien d'avoir un rouge à lèvres, c'est bien d'avoir un blush, c'est bien d'avoir un crayon, un truc. La limite, ça, on peut tolérer. Mais pour moi, les deux, là, non, quoi. Enfin, ou alors si le pinceau, oui, mais ça, peut-être à la limite, mettre un... Là, ils auraient dû mettre un mascara. Ça aurait été top. Bon, après, voilà, 18,99€, c'est pas trop cher. C'est quand même intéressant, il y a quand même pas mal de produits, donc je ne sais pas à qui ça peut se destiner. Quelqu'un comme moi qui a envie de continuer les fêtes et qui a envie d'avoir d'autres surprises, et puis moi c'est surtout parce que je voulais tester la marque Marionnaud, donc autant pousser le délire. C'était soit je prenais celui à 61, ou soit je prenais ces deux-là. Donc je me suis dit pourquoi pas en avoir deux, on a deux fois plus. Mais voilà, bah écoutez, ouais, je suis contente, mais on va dire sans plus, puisque je m'attendais quand même enfin à avoir un mascara peut-être là-dedans. Donc voilà. Voilà, bon, en tout cas, ça, ce n'est que mon avis, donc j'aimerais bien justement partager avec vous, voir si vous, bah, au contraire, vous le trouvez génial pour le prix. C'est que j'ai pas fait les calculs, parce que j'ai pas retrouvé tous les produits, puisque ce sont des produits spécifiques calendrier, donc à voir si c'est rentable ou pas, mais bon, je me dis quand même 18,99€, on n'a pas pris trop de risques. Voilà, bon, vous me direz, des fois on paye, ben, je crois que les calendriers Action ou des choses comme ça sont moins chers et ont plus de produits, ont 24 cases. Donc voilà, bah écoutez, j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. Et puis, savoir si vous, bah, c'est un calendrier qui pourrait vous tenter en plus. Ou peut-être offrir ça à une jeune fille, je ne sais pas. Ça peut être un petit cadeau de Noël, je me dis. Donc voilà, voilà. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, comme je vous ai dit, je me tâte là sur à prendre ma décision par rapport au Nocibé Prestige. Je verrai si je le prends et je l'unboxe sur la chaîne. Merci d'être sur cette chaîne. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous. À bientôt.